cache aujourd'hui pas le temps. Et oui, c'est l'heure où la caméra de la raclette. Aujourd'hui, on part sur une machine barbecue raclette pirate. Y'a enfin un mec qui l'a inventé. 8 personnes, 50 euros. Ouh. Vous voyez comment j'occupe mes journées? Toujours un truc à la con. Et bien sûr, je vous fais gagner cette machine, restez jusqu'à la fin, avec des restes de mon gras. Allez, c'est parti à table. Les pommes de terre sont prêtes, et c'est pas tous les jours qu'on fait une raclette, au moins tous les 3 jours. J'ai donc pris 10 fromages, 3 kilos, et abonnez-vous pour toujours plus de fromages. Morbier, Cantal Jeune IGP, Top de Savoie IGP, Gouda au cul, main mascarpone, Bascario de brebis, Tom de montagne, fromage à raclette au poivre, fromage à raclette fumé, et un fromage qui s'appelle le coq. J'espère qu'il y en aura assez en viande. On a à peu près 10 viandes aussi, du coup faut équilibrer. En charcuterie, magret de canard fumé, jambon cru, mortadelle, rosette, copa. En viande à cuire, cordon bleu, nuggets, rôti fumé, bœuf, dinde. Oui, j'avais envie de me faire plaisir dans cette vidéo. La machine, ouh. Je l'ai. Et il fallait que je laisse ma signature. La pierre à pirade, belle pierre à grillade. Les spatules, on a de longues spatules, ça c'est bien. La pierre à métal à barbecue. Et la machine à raclette, elle est là. J'ai faim. 8 spatules. La pierre qui va ici, oula ça bouge. Et la plaque à barbecue. Je sais pas si vous le voyez, mais je crois qu'il y a un problème de conception. C'est pas très droit. Ça penche un peu dans ce sens-là. C'est plus haut ce côté que l'autre. Et malheureusement qu'un seul bouton pour tout. Mais on s'en fout, on fait tout en même temps. Allez, on allume, on chauffe au max. Et je vais la changer de sens, ce sera mieux. Oh, ça fume. Je vous dis pas l'odeur dans la maison après. On commence très très simple, par de la raclette, du coup, fumée. Et on va graisser la plaque avec un peu de rosette bien grasse. Ah, j'adore le bruit. Allez, raclette. Rosette, ouh, ça part direct. Regardez comme ça graisse la plaque. Je vous avoue que je comprenais pas l'intérêt d'avoir une plaque de grill et une pirade. En fait, c'est que la pirade cuit beaucoup plus lentement. Et du coup, ça, c'est vraiment pour grill. Et oui, vous pouvez voir la différence de cuisson juste ici. Ow. Olé! Je suis désolé, j'ai pas pris de saucisses parce que je m'asphyxie avec les saucisses dans la maison. Il y a déjà assez de grillade. Alors, est-ce que la plaque a bon goût? Une très bonne plaque. La raclette est prête, hein. La puissance est très très bonne, c'est rapide. Bon appétit à tous les amis. Waouh, elle est coulante. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, bon appétit, je l'attendais tellement. J'ai fait qu'un fromage, ça pue dans toute la maison. Bon app. Je pense que je vais décéder avant la fin de cette vidéo parce que c'est tellement bon la raclette. Si vous trouvez un mec qui aime pas la raclette, c'est qu'il est pas humain. C'est juste le meilleur repas français du monde. Oui, ça c'est pour les Suisses qui nous regardent. On attaque cette dégustation par un petit gouda au cumin. C'est très puissant. Hop! Avec, je pense qu'on va choisir le petit magret de canard fumé. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tendre et c'est incroyable. Qu'on va faire griller et réchauffer à la pirade pour libérer toutes les saveurs du gras. Et c'est tellement bien d'avoir cette machine tout seul. Au moins, on se bat pas pour le fromage. Ouh, c'est beau. Et on finit par un coup de grill. C'est parfait. Ah, c'est incroyable, cette machine. Et on obtient du bacon de magret de canard frit. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et le gouda est prêt. Ouh, il est bien dégoulinant. Un peu de magret bien gras. Hop, le gouda au cumin. Et on en est, les amis, qu'au deuxième fromage. Je pense que vous allez être morts de faim chez vous. Waouh. Bon appétit à tous. Oh là là, regardez-moi ça. Ça coule de gras sur le magret. Bon appétit. Alors le gouda au cumin, le gouda, c'est particulier. À chaque fois que je mange une raclette, je me dis mais comment t'as fait pour pas en manger hier? Et tout à l'heure, je me dirais j'en mangerai plus jamais de ma vie. C'est incontestablement le repas français où on avale le plus de gras et de fromage. Et ben ça se marie très bien, raclette bacon de magret. Allez, on attaque tranquillement le prochain fromage. Sur le premier plateau, on va se faire un petit mascarpone en raclette. Le mascarpone, c'est mon fromage préféré, avec le morbier. C'est méga crémeux, d'ailleurs c'est pas un fromage, c'est un mix de plusieurs fromages, mais c'est un hack de fromage. Sont forts les Italiens. Et hop, que l'on va associer dans notre assiette de charcuterie, on attaquera la viande grillée après, avec une petite mortadelle, puisque c'est un fromage qui est assez salé, et ça ira parfaitement bien. J'en profite, est-ce que vous savez, la mortadelle c'est incroyable. Mangez pas vos doigts. Où est-ce qu'on peut trouver des saucissons énormes de mortadelle? Parce que regardez la taille du saucisson, j'en cherche depuis toujours. Allez, je sais, ça ne se fait pas, mais moi je le fais. Faites-le, vous verrez que c'est super bon, la mortadelle grillée. Et c'est souple. Je crois, les amis, que le fromage est bientôt prêt. Allez, la pirade l'a rendu molle, le barbecue va la faire griller. Ça sent, c'est magnifique, le saucisson rôti.
Hop. Oh merde. Le mascarpone, il a grillé. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Attention. Oh là là, c'est tellement crémeux. Regardez-moi ça. Oh. Bon appétit à tous. Oh là là, avec la pomme de terre. C'est juste incroyable. Mmh. Oh là là, dans des gnocchis, ça irait tellement bien. Allez, mortadelle. Ah, le mascarpone fondu. C'est fou, mais ça va tellement bien dans les sauces. Je fais cette vidéo. Si un jour vous avez vraiment faim, vous voulez torturer des gens, regardez celle-là. Regardez-moi ça, c'est grillé, c'est magnifique, ça coule de gras. C'est juste incroyable, les amis, vraiment incroyable. Alors, on est à trois fromages. Faut que je remplisse un tiers du coup de mon estomac. Je fais une pause sur les trois fromages pour aérer parce que sinon je vais mourir. Bah, vous voyez le mascarpone, alors ça fait pas très raclette. Du coup, ça nous fait une sauce fromagère incroyable sur les pommes de terre. Quatrième fromage. On part, les amis, sur une petite top de montagne. Elle est magnifique. Qu'on va accompagner d'un petit peu de jambon cru. Ah, de jambon cru bien luisant, bien gras, grillé. Allez, à table. Hop. Et il est bien luisant. On le passe au grill. Bon appétit à tous, les amis. Waouh, c'est incroyable. Et ben la machine marche pas mal, on fait des belles machines à raclette maintenant. Faut juste prévoir une belle aération, parce que là ça va sentir la graisse pendant 4 jours chez moi. Et c'est prêt, regardez-moi ça. Alors c'est difficile de la faire fondre plus cette tome. C'est mou et caoutchouteux. Mais l'aspect est incroyable parce qu'on ne perd pas de fromage. Regardez-moi ça, c'est monstrueux. Allez, bon appétit, on part sur de la tome. Regardez-moi ça, bien bien chaude. Ah, c'est bon. Il y a un petit côté Babybel. Regardez-moi ce magnifique jambon cru que j'ai fait griller. Le jambon cru grillé, c'est trop bon. Bon, faut que j'aille doucement parce qu'on en est qu'au quatrième fromage. C'est un fromage qui est moins liquide que d'autres, mais en bouche, il est incroyable. On dirait qu'il enrobe la pomme de terre. Incroyable. Bon, allez, j'en mange pas trop. Bah, j'ai tout fini. On passe... au cinquième. Oh, fromage. On repart du coup sur un petit classique avec de la fromage à raclette au poivre. Ça, c'est délicieux. Accompagné, bien sûr, d'un peu de copa grillé. Hop. Hop. Je sais qu'on fait pas griller la charcuterie normalement. C'est pour ça que je le fais. Faites-le. Et ça va très vite. On transfère à la grillade et on obtient du bacon bien grillé de copa. Hop. La raclette au poivre, ça ira parfaitement ensemble. On démoule. Oh là là, regardez-moi ça. On répartit. Alors là, c'est incroyable. Ça va être incroyable. Bon, j'ai mis de la copa crue aussi. Bon appétit à tous. On va commencer par goûter cette raclette. Mmh. Oh, la raclette au poivre, ça reste vraiment le meilleur fromage. C'est terrible parce que j'ai plus faim, mais dès que j'ai un bout de raclette, avec la copa, c'est trop bon. Dans la bouche, j'ai refaim. Regardez-moi ça, les amis. Bon appétit. À griller, c'est vachement bon. On dirait du porc rôti à la braise. Vous voyez, la copa grillée, c'est meilleur que le jambon cru, je trouve. Ça fait vraiment barbecue. Vous avez remarqué, je triche un peu, je mange pas beaucoup de pommes de terre. On passe au sixième. Là, il y a un petit fromage qui m'attire. On va prendre celui-là. Alors, je sais plus du tout ce que c'est. Vous voyez, la texture est un peu molle. Regardez-moi ça, ça m'attire. Et à la pierrade, on va faire griller de la belle viande rouge, bien grillée. Hop. Et regardez-moi ça, ça cuit vraiment très très vite. On va en remettre. Waouh, c'est beau la pierrade. On va saler un peu et poivrer légèrement. Écoutez-moi ce bruit incroyable. On transvase sur le grill. Hop. Waouh. Et regardez-moi ça, on obtient du bœuf bien bien rôti. Ça, ça va être super bon en raclette. Et c'est prêt, ça crépite. Bon appétit. On fait couler doucement. Oh là là. Ça va être tellement bon. Alors, comment est ce fromage? Ouh, il file pas mal, hein. Il est pas mal, pas mal. Bon, j'ai encore perdu un t-shirt. Malheureusement, je suis tout taché. Bon appétit. J'ai gagné une raclette. Ça fait presque burger, vous voyez? On va goûter un peu cette viande. Ah, c'est bon. Je crois qu'on a trouvé, les amis. C'est l'équilibre parfait pour moi dans une assiette. C'est fromage tranche de bœuf pomme de terre. Pour en manger tous les jours. Je commence à caler, ce fromage est pas mal, je pense, pour les burgers, vous voyez. En fait, on n'imagine pas la tonne de fromage qu'on mange dans une raclette, c'est impressionnant. Oh, j'en peux plus, parce qu'il est fondu. Allez, dernier pour la route.
on se retrouve, je vais mourir, pour le 7ème fromage. On enchaîne donc sur celui-là. Le Morbier, hein, qui est un de mes fromages préférés, qui passe extrêmement bien dans une raclette avec un peu de cendre végétale au milieu. Qu'on va enchaîner du coup avec un petit peu de dinde en pierrade. Allez hop, c'est parti, le meilleur. La dinde. Alors ça c'est très très cool à cuire en pierrade. Merde, j'aurais dû graisser. Ah, qu'on va bien sûr assaisonner, santé. Un tout petit peu dinde sauce soja, ça passe extrêmement bien. Vraiment, regardez-moi ça, c'est incroyable. Et quand on retourne, regardez, c'est bien bien grillé, c'est magnifique, incroyable. Allez, un dernier coup de grill. Alors ça ne sert à rien d'avoir un grill à côté d'une pierrade, c'est vraiment pour faire griller des trucs, j'essaye de trouver une utilisation pour sécher la viande. Waouh, c'est beau. Le Morbier, les amis, regardez-moi ça, il est parfait. Oh là là, alors c'est un fromage qui est bien gras, mais qui est aussi bien liquide en raclette, vraiment, il est incroyable. Vraiment incroyable. Très très agréable à manger, très filant, vraiment un délice en bouche une fois fondu. Vous savez quoi, je suis en train de m'asphyxier avec la sauce soja, puisqu'elle continue de cramer, ça pue. Ah, j'aurais pas dû en mettre. Bon appétit. Mmh. Ah, le Morbier, c'est bon. C'est trop bon, alors faudrait le mélanger avec du fromage à raclette, je pense que c'est le mix combo. Alors, cette petite dinde. Ah, c'est bon. Ça, c'est le deuxième mix parfait avec le bœuf. C'est la dinde Morbier. Sauce soja, ça n'existe pas. Vous vous doutez, pour avaler tout ça, j'ai quand même fait quelques petites pauses, hein, parce que... c'est trop bon. Mais je vais mourir, vraiment. Le temps que le deuxième estomac s'ouvre. Et le troisième. Et la dinde à la pierrade au soja, c'est le top. Allez, je cale, j'en peux plus, on passe, il nous en reste, je sais même plus à combien on est, ça veut dire que vraiment j'ai beaucoup mangé. Au huitième, il nous en reste 3. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors on avait ici un fromage qui s'appelle le coq, regardez, il coule de gras. Et ici j'ai du rôti de bœuf fumé. Allez, hop. Et ne mettez pas de la sauce soja sur la pierrade parce que vous ne pouvez pas la nettoyer chaude. C'est un bordel. Oh, ça va être bon. Ouais, du coup, ils seront aussi au soja. Waouh, c'est beau. C'est grillé, on va même pas les mettre au grill, y a pas besoin. Magnifique, regardez-moi ça. Résultat, alors sur celui-ci, l'aspect est vraiment pas mal du tout. Hein. Attention, oh là là, ouais, il est très très coulant, regardez-moi ça. C'est de la crème. Là, on pourrait même en faire une sauce fromagère, hein, tellement il est coulant ce fromage. Il est incroyable, regardez. Alors, je vous avoue, je fais style et tout, j'ai envie de gerber, j'ai trop mangé, j'en peux plus. Une fois que ce sera dans la bouche, ça ira. On va y aller doucement sur les deux derniers, bon appétit. Alors ça... c'est incroyable. Mais alors ça, c'est le meilleur fromage de tout ce qu'on a fait qui va avec les pommes de terre. Vraiment, il est incroyablement crémeux. C'est incroyable. Le rôti, bon appétit. C'est un fromage qui va... ah, je vais mourir. Très très bien, les amis, avec le rôti. Vous savez, quand on fait du bœuf avec du roquefort, c'est une sorte de roquefort très léger, mais très très crémeux. C'est trop bon. Oh là là, j'arrive pas à m'arrêter de manger. Vous savez, je vais devoir faire 8 heures de sport. Ah, l'hiver, c'est terrible, hein, l'hiver. Les deux fromages, on va... j'en peux plus. On va les faire, juste les goûter comme ça, parce que vraiment, il me reste du cordon bleu et des nuggets, mais je peux pas, je vais mourir. Vraiment. Mais quand on fait une raclette, on fait une raclette. 9e et 10e fromage, il nous restait ces deux-là, donc je sais plus ce que c'est, je sais que c'est AOP ou IGP, et ça, c'était, je crois, de la Top de Savoie, IGP ou AOP. Allez, un de chaque en dessert, la Savoie est à gauche. Attention, c'est prêt, regardez-moi ça, ils sont incroyables. La Top de Savoie, waouh, alors en raclette, elle est vraiment pas mal, hein. Regardez-moi cette couleur. Oh, texture est vraiment... gouluante, incroyable, hein, cette texture. Et la deuxième, alors la deuxième, un peu moins raclété. Hein. Le fromage se disloque un peu, mais adhère mieux à la pomme de terre. Oh mon bide! Allez, on finit là-dessus, tranquillement, en beauté. Alors vraiment, ce fromage, regardez-moi ça, hein, il est incroyable. Bon appétit à tous. Je vous le dis, je pense que c'est la dernière raclette de l'année. Hein. Je pensais pas pouvoir manger autant de fromage d'un coup dans ma vie. Le problème, c'est que ça durcit le fromage après. Il est incroyable. Alors je pense que c'est un des meilleurs fromages à raclette. Il arrive même en top 1, hein, des fromages à raclette. Faut qu'il tombe à la fin, évidemment. Ce fromage de Savoie de vache, il est incroyable. Incroyable. Et l'autre qui va être moins terrible, mais encore plus terrible pour l'estomac. Il garde plus de chaleur, c'est marrant. Il est tellement bon. Il est un peu plus crémeux, moins fondu, il fond moins, mais il est très très bon. Bon, j'arrête. Fini les raclettes. Ah, j'ai pris 10 kilos, bon. Je pense qu'on a mangé bien 1 kilo de fromage. Vraiment.
Voilà, les raclettes, on n'en fait pas souvent. Quand on en fait, on en fait. La machine, elle est juste pas très droite, mais elle marche extrêmement bien, vraiment, pour le prix. Le seul truc, c'est que je pense quand t'es à 8 et que t'as un carré et pas un rond pour poser ton truc, c'est la guerre. Je pense que c'est la guerre. Tout le monde se bat. Et tout le monde se brûle. Je vais la nettoyer comme promis. Je vous la fais gagner. Ça m'a fait du bien quand même de manger autant de raclettes. Du bien et du mal. Mais le bien dans le mal est toujours moins mal que le bien dans le bien qui a fait encore plus mal. Ça veut rien dire ce que je dis. Vous m'avez compris. Pour gagner cette machine, comme d'hab, ça se passe sur le Discord de la chaîne. Vous rejoignez le Discord, vous allez dans la catégorie annonce et vous vous inscrivez tout simplement pour participer en cliquant sur le smiley à lunettes. J'espère que ça vous a plu. On va un peu calmer la grosse nourriture. Je pense qu'on est assez engraissé pour l'hiver. Non, je déconne, il suffit juste que je digère. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras, faites des raclettes, survivez et à bientôt. Ciao!